Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je me présente rapidement, moi je suis Marie Auger, donc je suis peintre, sculpteur, je brode, je fais du film quand la nécessité se présente. Je suis en résidence sur Lyon pour 2 ans, la résidence a démarré en janvier et donc voilà, le travail va se prolonger jusqu'en décembre 2018. Je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille. Tout mon travail de plasticienne repose sur de la collecte de paroles. Donc depuis plusieurs années, on va dire une quinzaine d'années maintenant, je collecte de la parole, des boutons, des objets, mais surtout de la parole de plus en plus. Et cette parole est vraiment la source du travail de création. Cette parole, je la couds dans des cahiers qui sont cousus au fil rouge. Alors là, je m'excuse René, je fais juste une petite incursion. Ils sont ici, ces cahiers-là. Et vous voyez, ils sont présents également sur le panneau. Ils ont des formes différentes. Chaque cahier a une identité propre et donc sa forme est en résonance avec l'entretien qui est déposé, qui est consigné en fait. Pourquoi le fil rouge? Alors, rouge, la couleur, couleur de sang, de vie et de mort, ce sont des cahiers qui contiennent une parole vivante qui vient s'ancrer souvent sur la période 39-45. Je vous expliquerai plus tard pourquoi cette période. Et donc qui fait référence à des événements de l'histoire qui sont le plus souvent très douloureux. Le fait de coudre est un acte très particulier pour moi, puisque la couture, c'est une mise en lien. Quand je reçois les histoires et que je les couds dans mes cahiers, ça me permet de prendre le fil qu'on m'a donné et de m'y articuler, donc de m'articuler à la temporalité des histoires, des témoignages, et de transmettre ce fil aux personnes qui voudront bien s'en emparer, voilà, pendant les installations. Les cahiers sont systématiquement mis à disposition à l'entrée des installations. Je parle vraiment d'installation et pas d'exposition. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ils sont mis à disposition du public. Et l'idée étant pour moi prioritairement de faire relais de la parole donnée, de cette parole vivante qui m'a été transmise et qui pour moi contient un vrai savoir. Voilà. Alors vous voyez par exemple ce cahier-là, c'est le cahier de Marc Schwartz que j'ai rencontré lors de la BHM 2015, il y a donc un an et demi. J'étais de permanence dans la salle d'installation ici à Lyon 3 où je présentais mon travail et au sortir le soir d'une journée d'installation, je suis allée me promener au hasard des rues dans Lyon et je me suis retrouvée devant le Théâtre des Célestins et par hasard là j'ai rencontré un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Marc Schwartz, que je ne connaissais pas, qui m'a donné un renseignement sur localisation d'une librairie. Il m'a demandé ce que je faisais à Lyon. Donc je lui ai expliqué que j'avais un ami, Gilbert Veil, qui avait été arrêté place Bellecour en 1944, qui avait été déporté à Drancy, puis à Auschwitz, après avoir passé un mois à Montluc. Et là, dans l'oreille, il me glisse, ben moi, ma cousine de 20 ans, Klaus Barbie, elle ne l'a pas loupé. Alors bon, j'étais forcément très, très sidérée par cette information glissée dans mon oreille, qui est restée un peu bloquée. Je lui ai proposé de s'asseoir là, à la terrasse d'un petit café. Et donc, j'ai toujours mon dictaphone avec moi et je l'ai enregistré. Il m'a raconté son enfance d'enfant juif caché à Lyon et l'histoire de sa cousine maîtresse d'école, 20 ans, qui participe au sauvetage des gamins de Vénitieux et qui, elle, va y rester, en fait. Elle va être également transférée sur Montluc et ensuite déportée via Drancy à Auschwitz où elle est exterminée en arrivant. Donc voilà, donc rencontre de hasard avec Marc, mais qui sans doute n'est pas complètement un hasard. Et la carte de géographie dans laquelle j'ai consigné, sur laquelle j'ai consigné son entretien, elle m'a été donnée par les descendants de mon ami Gilbert Veil, donc arrêté en 1944 à Lyon, déporté à Auschwitz. Il est décédé en décembre 2015.
Et sa famille m'a remis un ensemble d'objets, une valise, une carte, en souvenir de lui. Et sur cette carte, j'ai souhaité emprunter un témoignage d'un autre enfant victime de cette barbarie-là, qui s'est trouvé sur les chemins en situation d'errance et de cache, avec ou sans ses parents, pendant toute la période de la guerre de 1942 jusqu'à 1945. Voilà. Donc les supports ont un sens. Le fait de coudre en a un aussi, c'est ce que je vous disais. Donc je fais défiler un petit peu l'image des cahiers. Celui-ci, c'est le cahier de Jacqueline. Alors, quand j'ai rencontré Marc, je travaillais sur la problématique des enfants cachés depuis plusieurs mois, mais sans avoir de témoignage direct. Donc, je faisais des recherches d'histoire, je lisais des témoignages, mais que je n'avais pas récolté moi-même. Et la rencontre avec Marc a été vraiment fondamentale, puisqu'elle arrivait vraiment comme sur un plateau d'argent. Et dans la suite, quand je suis rentrée sur Nantes, le centre culturel juif de ma ville m'a mise en lien avec deux autres personnes, également juives, qui avaient été également cachées pendant la guerre. Deux petits Parisiens, Jean Sledzianowski et Jacqueline Milecki-Lebenthal, qui ont été également en errance sur les routes, qui ont vécu des choses à la fois identiques et différentes de celles de Marc. Voilà. Les noms des cahiers ont un sens particulier. C'est un extrait tiré d'un morceau de l'entretien que j'ai avec la personne. En réalité, je dis entretien, mais moi je parle très très peu. Je suis juste là pour accompagner cette parole souvent douloureuse qui sort. La plupart des témoins que je rencontre n'ont jamais témoigné. Donc ce sont des témoignages qui se font en plusieurs phases, qui sont souvent anarchiques, parce que la mémoire se présente feuilletée, en fait, et elle sort de façon désordonnée dans un premier temps, souvent accompagnée de larmes, donc il faut être vraiment très disponible pour accompagner cette parole-là. Et petit à petit, le propos se construit, le souvenir se construit, les choses se recomposent. Les témoins, parfois, m'appellent entre deux visites pour me dire « Marie, il faut qu'on se voit, j'ai repensé à ci, j'ai repensé à ça. » Alors, c'est très différent des trois derniers témoignages que je viens de faire auprès de trois anciens enfants d'Izieux qui, eux, ont passé une partie de leur vie dans la suite du procès Barbie en 87 à témoigner auprès d'enfants, auprès d'élèves de collège et de lycée. Et donc, ils ont une parole construite, ils ont déjà une mémoire qui a bien travaillé et c'est beaucoup plus simple, en réalité, du coup, de rencontrer et de collecter cette parole-là. Voilà. Ce n'est pas moins douloureux, mais voilà, c'est moins... Dans les cahiers, je couds des photos que les personnes parfois me remettent. Alors, des photos de leurs parents et de leurs grands-parents. Alors, la plupart des personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant sont d'origine polonaise. Et donc, on va dire que les trois quarts, si ce n'est plus, des personnes qui sont sur ces photos ont disparu dans la tourmente de la guerre. Et donc, ce n'est pas rien pour elles de faire réémerger ces portraits, ces photographies. Donc, voilà, c'est vraiment une grande confiance qui m'est accordée de pouvoir recueillir ces photographies. Et à l'appui de ces photos, c'est toute une narration aussi qui s'organise dans le cahier. Par exemple, là, c'est le cahier de Jean Sledzianowski, dont les grands-parents tenaient un bistrot dans un shtetl, dans un petit coin de Pologne, qui à un moment donné est devenu russe au gré des aléas de l'histoire. Et on a vraiment l'impression, en entendant Jean parler de ses grands-parents, d'être dans des écrits de Tolstoï ou Dostoïevski, avec le bidon de saumure à l'entrée du bistrot, les paysans, les moujiks qui arrivent, qui relèvent la manche de la chasuble pour aller plonger, prendre un hareng. Enfin, on est vraiment dans un autre espace-temps, et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment passionnant. On retrouve un monde littéraire, mais qui, avant d'être littéraire, est un monde historique, un monde réel, hein, et qui devient tangible par le poids de cette parole vivante qui a son poids de chair. Hein. Donc, on est dans un autre espace-temps, mais qui est incarné, en fait. Alors, je vous parlais tout à l'heure de couture. Ça, c'est un dessin qui a été réalisé par un petit enfant d'Izieux qui s'appelle Max Tettelbaum, qui a disparu dans la tourmente de la rafle du 6 avril 1944.
Je vous le présente, ce dessin, parce que je l'ai brodé. Je le trouvais très fort et très beau. Et je l'ai brodé en vue d'une prochaine installation sur un petit vêtement, une petite cape hein, que j'ai réalisée au cas où, en mémoire des enfants qui ont été sur les routes. De l'autre côté, elle est complètement empreinte de boutons, donc je pense qu'elle sera installée à Lyon lors d'une prochaine installation. Et me mettant dans ce dessin de Max, j'avais vraiment l'impression d'être dans un espace-temps qui était le sien et d'être finalement quasiment dans son crayon au moment où je suis dans l'acte de coudre. Donc coudre, c'est vraiment lier les époques ensemble et c'est aussi pour moi de vrai quelque part une réparation faite à la profanation qui s'est œuvrée ce 6 avril 44 là. Donc c'est un acte particulier qui est lent, la couture c'est un acte lent, mais qui permet justement une introspection et de rejoindre la personne, en tout cas moi, de rejoindre Max au moment où il fait ce dessin. Quels étaient ses rêves, quels étaient ses espoirs, qu'est-ce que ce dessin porte? On voit une cigogne qui porte un enfant et cette cigogne qui pourrait figurer une sorte de personnage maternel attaque un renard. Voilà. Donc finalement, coudre, c'est œuvrer une réparation, c'est faire une cicatrice sans gommer l'événement premier qui est fondateur. Gommer cette mémoire est impossible et absolument pas souhaitable, évidemment, mais c'est continuer à le signifier, mais en fermant quelque chose, on permet... La couture permet la continuité de la vie en fait. Et le fil, c'est ça, c'est la mise en lien, la mise en lien. On part de quelque chose qui a été douloureux, mais il y a quelque chose de possible qui peut s'œuvrer derrière, de l'ordre de la réparation, de la vie qui continue. Ce petit fil rouge, il se balade dans les œuvres. Alors, il se glisse derrière les vitres des encres. Je vous montre quelques exemples. Il est là, on ne voit pas trop. Souvent, les photos ne sont pas terribles, hein, j'avoue. C'est moi qui l'ai fait. Je ne suis pas pro. Donc, voilà encore un petit portrait hommage avec ce petit fil. Voilà. Alors, ce que je me propose de faire, juste je vais revenir sur les témoins. Donc, soit je les rencontre par hasard, comme Marc, soit je les rencontre d'installation en installation. Et souvent, ça me donne le sentiment que je suis sur un chemin et que les installations se cousent les unes derrière les autres. Par exemple, il y a eu l'histoire de Marc qui m'a fait rencontrer Jean et Jacqueline derrière. Mais il se trouve aussi que parfois, il y a des personnes qui viennent aux installations, elles savent que je travaille sur la période 39-45, plus spécifiquement sur la Shoah. Et elles me disent, moi aussi, je voudrais participer au travail des cahiers. Parce qu'en fait, l'idée quand même première, je n'ai pas annoncé tout à l'heure, c'est que j'essaie de monter une petite bibliothèque des cahiers de la transmission depuis une dizaine d'années. Et mais qu'on appartient tous à un même groupe, le groupe des humains, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est aussi le travail de l'art pour moi, c'est de resignifier l'humanité qui est en chacun de nous. J'ai fait l'expérience de mettre une dizaine de cahiers de la transmission en place dans une installation. Et les gens, en les lisant, me disaient « Mais moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais petit. Moi aussi, moi aussi. » Donc, c'est à travers l'autre se reconnaître soi-même hein, et du coup, se réarticuler à l'humanité qui est en nous. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à demander, ou sinon je continue. Alors, ce que je me propose de faire là maintenant, c'est de vous présenter une installation que j'ai montée à Nantes en juin dernier, dans un lieu qui s'appelle le site des Renaudières, et ça va vous permettre peut-être de mieux appréhender mon univers plastique. Alors, voilà comment a été annoncée l'installation. Donc, une petite fille qui a l'air d'être installée sur une balançoire, avec au sol des petits masques brisés. Je ne sais pas ce que vous voyez quand vous voyez ça, en fait. Comment ça vous questionne, une image comme ça? Est-ce que ça fait peur ou pas? Je ne sais pas.
Parce qu'il y a une personne qui m'a dit pendant l'installation qu'elle trouvait ça trash. Ah, je ne sais pas trop ce qu'elle y a vu. Elle trouvait ça super douloureux, cette petite fille avec ses cheveux blancs et puis l'image des chaînes, donc je ne sais pas. Là, c'est la prise de vue avec la photo, elle est droit, c'est le regard droit dans les yeux. Oui. Il y a une interpellation qui peut être un peu. Tu veux, Milena, le micro? Oui. Je parle pas assez fort. C'est pour la caméra. En fait, c'est la prise de vue de la photo qui fait que la petite fille nous regarde droit dans les yeux. Mm-hmm. Et donc, il y a une interrogation ou une interpellation. Ouais. On peut se sentir pris à partie. Mais après, j'imagine que dans l'installation, en fait, on tourne autour de la sculpture et que ce regard-là n'est pas forcément présent de la même manière. Voilà, c'est ça, exactement. Ça dépend de comment on se positionne aussi par rapport à la pièce. Ce qui peut être choquant, peut-être, c'est que cette petite fille a l'air déjà vieille. Oui, oui, oui. Souvent, les enfants que je fais sont nés un peu vieux. La mule est un peu chargée, on va dire. Mais pour autant, ça reste des enfants. Mm. Quand on arrivait sur le lieu, donc c'est un manoir en pleine campagne, on tombait sur une grande vitre en arc, comme ça, en plein cintre. Et derrière cette vitre, il y avait un grand chien bleu, une petite fille qui portait une petite cage d'oiseleur avec des livres à l'intérieur, un petit masque sur le visage et des fleurs qui sortaient de son capuchon. Et puis au sol, un grand masque émaillé blanc. Et puis, juste avant l'entrée dans les trois pièces d'installation, il y avait ce petit bonhomme qui était derrière une vitre, une grande porte vitrée sur des marches en granit et qui semblait interpeller les gens qui s'apprêtaient à entrer, en fait. Derrière lui, voilà, il y avait deux petits-enfants porteurs de masques également, avec des petits livres sur les genoux, et qui également regardaient les personnes qui passaient. Alors, cette installation donc, s'est articulée sur les trois témoignages de Jean, Jacqueline et Marc. Pour chaque témoignage collecté, je monte une installation qui va rendre hommage aux personnes rencontrées, et également qui va colporter le savoir que contient le témoignage transmis. Et donc, on voyait d'entrée de jeu dans cette... Alors, c'était une installation, une déambulation poétique et plastique. Moi, on me raconte des histoires. Ces histoires vont coloniser complètement mon imaginaire. Et tout ça va ressortir en encre, en peinture, en film, en couture, en broderie, etc. Ça dépend selon les nécessités d'expression. Et donc, on entrait dans cette salle et sur le mur, on va peut-être mieux voir sur la photo suivante, j'avais réalisé une carte de géographie aux pointes de tapissier, une carte de France, avec la ligne de démarcation figurée au fil rouge. Voilà, c'était une dimension assez grande, hein, ça faisait 2 mètres de haut à peu près. Et donc, à cet endroit qui pouvait signifier Paris, j'avais réalisé 2 petits vêtements en céramique avec une petite étoile, tout ça est dilué dans la photo, là, et une petite diode rouge. Et également, à l'endroit qui pouvait signifier Lyon, donc un autre petit vêtement. Et il y avait des fils électriques qui partaient de ces vêtements et qui allaient se raccorder à ces petits personnages, des petits porteurs de lumière qui accueillaient les visiteurs quand on entrait dans la salle. Donc, il y avait 3 petits veilleurs qui étaient là pour faire la lumière sur leur histoire. Donc, pour moi, c'était rendre la parole à ces enfants à qui on ne l'a donné que dans les années 90. Ça a été très, très tardif, la reconnaissance du statut d'enfant caché. Et donc, c'était rendre cette parole enfin à des personnes qui n'avaient pu la voir, qui n'avaient pu se raconter. Et nous, peut-être nous apporter une lumière par la transmission, justement, de ce savoir contenu dans les cahiers, faire une lumière sur ce qu'on est aujourd'hui. J'en reparlerai tout à l'heure. L'idée étant, parce que je travaille, donc, vous avez compris, sur la transmission donc, de cette période et de ces événements. Et pour que les choses ne soient pas totalement noires, c'est essayer d'en extraire une lumière. Et pour moi, cette lumière, elle vient du savoir qui nous est transmis. Donc souvent, les sculptures sont graves, mais pour autant, j'espère qu'elles ne génèrent pas la fuite. Elles sollicitent beaucoup, par leur regard, par leurs expressions, les personnes qui passent et qui veulent bien s'arrêter.
Donc les témoignages sont mis à disposition du public et je les fais photocopier pour les rendre accessibles à un maximum de personnes qui peuvent emmener d'ailleurs les photocopies chez elles si elles le souhaitent. Alors pourquoi le masque ? Alors le masque correspond à la cache. C'est dire que sur toute cette période, les enfants n'ont plus pu être ce qu'ils étaient fondamentalement. Jacqueline est devenue Étiennette, certains ont été baptisés alors qu'ils étaient de culture et ou de religion juive. Donc c'était vraiment une dépossession de ce qu'ils étaient fondamentalement. Ils ont été obligés de vivre, on va dire, en cachette, en planque, d'être sur les chemins pour ne pas être attrapés. Et c'est un petit peu tout ce que recèle l'idée du masque. Mais le masque, en même temps, c'est à la fois la nécessité et l'obligation de se cacher, et en même temps, c'est une protection possible. Il y a beaucoup de gamins qui s'en sont sortis grâce à des paysans et qui les ont abrités. Et alors, certes, qui leur ont donné parfois un autre nom, voilà, pour pouvoir les protéger, mais voilà, le masque a permis la protection parfois. Donc dans cette première pièce, il y avait surtout des œuvres en noir et blanc, des encres sur verre, hein, beaucoup d'enfants seuls sur les chemins, avec des valises parfois, un enfant pris dans les cheveux de sa mère, hein, le petit fil qu'on retrouve, hein, ça c'est du fusain et de l'encre, hein. Souvent, les enfants sont seuls, sans adultes. Quand il y a des adultes, ils sont bienveillants. Ils sont uniquement là pour la protection qu'ils peuvent apporter. Jouer leur rôle d'adulte, en fait. Et souvent, mais ça, c'est suite à des témoignages que j'ai pu lire, où on voit des gamins de 5 ans qui deviennent protecteurs de tout petits. Le fil rouge, on le retrouve aussi sur des broderies. Donc là, c'est une petite fille... avec sa valise. Donc là, c'est de la broderie sur de la toile de Jouy. La toile de Jouy, donc c'est de la toile, hein, c'est de la tapisserie, qui met en scène des paysages de campagne. C'est essentiellement à la campagne, hein, que les gamins ont été cachés. Alors là, c'est vrai qu'avec le soleil, c'est dommage, on ne voit pas. En fait, ici, on voit un petit garçon, ou une petite fille d'ailleurs, on ne sait pas trop, qui est dissimulé dans des arbres. Il a lancé un petit bateau. Et il espère que cette femme qui est en train de faire son linge va pouvoir remarquer ce petit bateau et pour pouvoir l'emmener chez elle, hein, et le protéger. Je m'appuie beaucoup aussi sur la parole poétique. Hein. Là, c'est une citation de Pablo Neruda qui dit « Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront pas le printemps ». Quand on cheminait, donc... Alors, vers la deuxième pièce, la couleur apparaît. Hein, c'est vraiment une déambulation plastique et poétique. Première salle, c'est noir et blanc. C'est vraiment l'histoire avec la partie documentaire du travail, les témoignages. Et puis, petit à petit, donc, la couleur, la lumière et à la fin, vraiment, l'enfance qui revient à volonté. Alors, ça, ce sont des petites galoches émaillées qui étaient présentées sous un petit cube de verre. L'émaillage... c'est une vitrification, donc c'est un saisissement du temps à l'instant où, voilà, à l'instant de l'œuvre réalisée. Et j'avais vraiment envie que le temps soit figé dans ces petites chaussures qu'on pourrait imaginer avoir été portées par des gamins sur les routes. C'est une façon de signifier la nécessité de la fixation de cette mémoire, hein, que les choses ne soient pas perdues. Donc l'utilisation des matériaux est un fait acte elle-même, en fait. Elle prend sens. Les enfants avec les masques. Celle-ci, elle porte une petite lanterne, et dans sa lanterne, il y a des livres. C'est une installation dans laquelle il y avait énormément de livres émaillés, de terre cuite, émaillés et dorés à la feuille. Et c'était redire la nécessité de la culture et de l'art pour éviter la montée des totalitarismes. C'est Hannah Arendt qui dit ça, hein, quand... on est en manque de pensée, souvent les régimes totalitaires arrivent à grands pas. Je pense qu'on est dans des périodes vraiment très tourmentées et qui ont un souci avec ça. Donc c'était la nécessité de resignifier l'importance du livre. Les personnages que je vous présente,
Certains ont des petites cornes sur la tête. C'est soit des petites cornes de chèvre ou des petites cornes de cerf, ça dépend de ce que je collecte. Ce sont des petites cornes qui placent d'emblée l'univers dans un univers de contes, en fait, un univers imaginaire. Je raconte une histoire à partir d'histoires vraies, mais mon histoire à moi, c'est imaginaire. On est dans le champ de la représentation, on est dans le champ plastique, et donc je ne fais pas œuvre d'illustration du tout. Et le conte, je m'y appuie très souvent pour colporter ce que j'ai à colporter, pour faire relais. Le conte, c'est un apport qu'on a tous, hein, c'est commun, c'est une culture commune. Hein, tout le monde connaît plus ou moins les histoires du petit chaperon rouge, du petit pousset, de la chèvre et les biquets. Et donc, c'est aussi parler un langage nourrissant, parce que les contes sont comme les mythes, hein, ils ont abordé les sujets fondamentaux de l'humain. Mais c'est un langage qui peut toucher chacun, dans l'enfant qu'il a été. Donc, c'est aussi essayer de parler une langue qui fasse sens pour tous, ça serait ambitieux, mais pour un maximum de personnes, et qui réveille en lui, finalement, l'enfance, le monde de l'enfance. Voilà. Je ne fais pas de commentaires pour tout. Je vous montre tout ça parce que... c'est une façon d'illustrer, là c'est un travail sur la disparition, l'effacement, mais alors là avec le soleil on est encore plus effacé qu'effacé, c'est presque en cours de disparition totale. Dire qu'en fait j'utilise des matériaux très différents, là c'est de la peinture à l'huile sur bois, et au centre c'est un morceau de toile découpé que j'ai emprunté au fusain en fait, c'est un dessin au fusain. J'essaie d'utiliser plein de matériaux différents pour essayer de parler de la langue la plus large possible. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à la peinture, d'autres à la sculpture. Et c'est aussi le projet de cette résidence, parler une langue la plus large possible, qui ne soit pas uniquement plastique. C'est travailler dans le champ de la représentation, et ça peut être théâtral, ça peut être la chorégraphique. Donc c'est essayer de toucher tous azimuts, en fait, pour que ça fasse coûte que coûte résonance en chacun. Chacun avec sa particularité, donc sensible visuellement ou auditivement, voilà. Là, on ne voit pas du tout, mais le noir est absolument mat. C'est un noir absolu. J'essaie de passer un petit peu plus vite. Elle a des petits cheveux en trompette avec des petits gueulards au bout des tresses. Alors celle-ci, on dirait le petit chaperon le petit chaperon rouge, avec sa petite valise. Elle est sous un globe, on m'a demandé pourquoi un globe. Donc le globe, il est à la fois là pour signifier l'interdit de sortir, donc la cache à nouveau. Et en même temps, la protection est pour moi la volonté d'enluminer. Hein, les globes servaient à mettre les couronnes de mariée autrefois dans les années, au début du XXe siècle, on va dire. Et c'est une façon de sacraliser quelque chose qui a été endommagé. Et l'enfance, c'est quelque chose de tellement précieux, c'est le démarrage de tout. Donc c'est redire l'importance, hein, voilà, de cette part-là de la vie et de l'humain. Ce tableau, il me fait un peu rire parce que... Donc, ce sont deux petites filles masquées. Donc, de mon point de vue, ce n'était pas franchement drôle. Et il y a une dame, donc une Arménienne, qui a eu un parcours de migrante très, très douloureux avec ses deux enfants. Et qui, quand elle a vu ce tableau, elle m'a dit « Mais c'est incroyable, on dirait moi et ma sœur quand on jouait à se cacher qu'on était enfants. » Donc, c'était quelque chose, un souvenir très, très joyeux. Et c'est pour dire que... en fait, l'art appartient à celui qui regarde, en fait. Et que moi, par exemple, je ne donne jamais de titre à mes œuvres. Je pense que j'ai envie de laisser le champ libre au regardeur de s'approprier le territoire que je propose. Une fois qu'il passe dans l'espace public, il ne m'appartient plus. Et c'est une grande joie pour moi de voir que des personnes peuvent s'approprier, faire les œuvres, quoi. Il y a certaines personnes, quand elles achètent des sculptures, elles m'appellent, elles viennent me chercher, elles me disent « Venez voir qui on a adopté ». Donc c'est une vraie appropriation
du travail plastique et de ce qu'il porte, hein, surtout. Cette pièce-là, elle me touche particulièrement. On ne voit pas dans son dos, il y a un masque. Elle porte un masque, la jeune fille. Hein. Et cette pièce, elle a été achetée par Jacqueline Lebenthal. Et Jacqueline, elle est aveugle. Donc, elle a un rapport tactile aux sculptures. Et donc, j'ai fait une visite avec elle en solitaire, enfin en binôme. Et du coup, tout passait par le toucher, par la manipulation. Elle a mis ses doigts dans les yeux du masque derrière et elle s'est effondrée en larmes. Et je lui ai dit, Jacqueline, si cette œuvre doit vous bouleverser comme ça, il faut la laisser, il ne faut pas l'acheter. Elle me dit, mais si, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça me fait du bien de pouvoir enfin pleurer, quoi, en fait. Donc, c'est un petit peu ce que ça déclenche aussi, le travail artistique. Alors, ça, c'est du dessin. J'utilise, vous allez voir, beaucoup de cadres anciens que je restaure ou ça dépend de l'état du cadre acheté ou récupéré. L'idée étant de donner le sentiment du familier. J'avais monté à Nantes il y a quelques années dans une galerie, une installation où j'avais couvert un mur au moins aussi grand que celui-ci d'encre et fusain sur papier. Et qui étaient de tailles différentes. Il y en avait des très très grandes et des très très petites, et qui étaient encadrées par des cadres très anciens. Et c'était étonnant parce qu'on avait l'impression d'être un peu comme dans un salon ou chez les grands-parents. Dans le monde paysan, on trouve beaucoup de ces cadres-là, hein, des cadres des années 30 qui ont été ouvragés par des menuisiers. Et certaines personnes disaient on dirait moi quand j'étais petit, ou on dirait mon père, on dirait ma mère. Donc il y avait aussi une projection directe qui se faisait et qui était vraiment encouragée par la mise en scène avec les cadres. Donc là, c'est un travail aussi sur la présence-absence, où l'enfant est souvent représenté dans des contrastes forts de noir et de blanc. Et les plus grands, on va dire les adultes, sont signifiés au la vie, mais juste parcellairement en fait, pas dans le détail. Là, des mains imaginaires ou des bras imaginaires, avec cette petite fille qui marche toute seule sur son chemin. Il y a souvent des coulures de racines. Ce sont des coulures que j'œuvre à la bouche en soufflant. Et c'est insuffler, c'est réactiver le vivant pour moi. C'est redonner de l'air à ces enfants qui ont disparu dans la tourmente ou qui ont été là un temps. Ou qui sont encore, mais qui ont été dans ce moment-là et avec toute cette perturbation. Et c'est réactiver leur présence pour nous aujourd'hui, en fait, et transmettre le savoir associé à leur histoire. Ça, c'est un travail que j'avais réalisé sur fond de cartes géographiques et des cartes datant de 41-42. C'est de l'encre sur verre. Alors ici, on voit vraiment très mal. Mais il y a cette carte qui est couleur sépia et les enfants ici sont empruntés d'une autre carte beaucoup plus claire et on sent que tous ont été dans une même histoire à un moment donné de par la présence de cette carte qui fait communauté et qu'à un moment donné, ils ont aussi été séparés, eux en tout cas dans une autre histoire et que les choses se redisent sans doute dans un après-temps. Lui raconte quelque chose et le plus grand écoute. Donc on peut imaginer que les choses vont pouvoir redémarrer. Mais le fond, c'est ça. Ce sont ces cartes avec l'errance sur les cartes et une séparation à un moment donné. Là, on est dans le monde des rêves, du conte. Lui avec sa petite cage d'oiseleur et son bouquin à l'intérieur, et des fleurs. Il y avait beaucoup de fleurs en céramique rouge dans cette installation, qui sont là pour faire œuvre belle et rappeler que, tout de même, ça peut valoir le coup. Alors, dans la deuxième pièce, voilà ce qu'on pouvait trouver. Ça, c'est la moitié de la deuxième pièce. À gauche, ici, on voit une grande figure de femme qui est couronnée de bois de renne. Et je vais faire un gros plan, juste sur son visage. Voilà, il y a des petits enfants qui sont fichés sur ses cornes.
Et c'est un personnage très digne, qui est aussi couvert de fleurs rouges et qui offre sa robe comme espace de protection à l'enfant qui fait de la balançoire, le fameux petit gamin qu'on voyait sur l'affiche de démarrage. Tant que l'enfant est dans cet espace-là de la robe de cette femme, il peut déposer les masques. Les masques sont brisés au sol. Et on sent que cette robe pourrait se refermer s'il y avait danger pour l'enfant. C'est pour moi une représentation, une incarnation de la figure du juste féminin. C'est dans mes installations aussi, la lumière que j'essaie de faire émerger, c'est redire ce qui est bon en l'humain aussi. Et par exemple, la figure du juste pour les enfants, tellement d'enfants qui ont été sauvés par ces personnes-là, ça me semblait important. Plutôt que de souligner la part sombre qu'on connaît bien, c'est plutôt essayer de faire réémerger la part positive de l'humain et qui peut être encourageante pour nous aujourd'hui. Là, on voit mieux les masques brisés au sol. Effectivement, le gamin, là, il ne nous regarde plus, donc on a une autre perception sans doute. Dans la cheminée, donc, j'avais installé des petits musiciens qui étaient censés représenter des petits interprètes de la musique klezmer qui a failli disparaître également dans la tourmente avec toute la culture juive associée. Et j'avais fait réaliser une enseigne, Yellow Star, étoile jaune, qui faisait référence à la chanson de Gainsbourg, qui s'appelle justement Yellow Star. Gainsbourg qui a été caché, il avait 14 ans, il a fallu qu'il porte aussi l'étoile jaune. Et pour faire un pied de nez à cette obligation, et il ironise en disant que c'est l'étoile du shérif. Et ça m'a fait penser au témoignage de Jean Sledzianowski, qui me raconte que la première fois qu'il est arrivé à l'école avec son étoile là, de ce côté-là, tous ses copains de 7 ans voulaient la même parce qu'ils voulaient tous aussi être le shérif. Donc ils étaient tous là avec leurs petits ciseaux à bourron pour se découper aussi un petit morceau d'étoile dans du papier. C'est aussi dire qu'un gosse, ça reste un gosse et que parfois les choses sont dramatiques et terribles. Mais pour autant, le gamin, il ne mesure pas complètement le côté dramatique. Donc il sent les angoisses, il sent... Mais il y a une possibilité de rebond du coup chez l'enfant parce que justement les choses ne sont pas encore figées et qu'un enfant ça reste un enfant. Voilà. Donc il y avait un petit orchestre klezmer réel de copains qui s'étaient montés pour l'inauguration de l'installation qui ont interprété des morceaux de musique klezmer mais de façon un peu détournée avec entre autres une scie musicale. Donc ce n'est pas forcément un instrument du klezmer. Et ils sont tous installés sur des bouquins pour donner leur petit conseil. Petit pianiste, un petit oiseau sur l'épaule, le violoniste, l'accordéoniste. Dans l'expo, les enfants, soit ils étaient pieds nus, soit ils avaient tous des galoches rouges. Si vous voulez dire des choses, n'hésitez pas. Un petit saxo. Accordéoniste avec la petite fille, un adulte bienveillant, alors elle est un peu particulière, elle tient dans ses petites mains une petite fleur, on ne sait pas trop d'où elle sort cette fleur, et avant ce tableau il y en avait un autre, un petit garçon penché au-dessus d'un trou, c'est un tableau un peu grand, ça, haut comme ça, un petit peu moins. Et à côté, un tableau de même hauteur, un petit garçon au-dessus d'une bouche de quelque chose, on ne sait pas quoi. Et il y a juste le haut, on ne sait pas trop ce que c'est, qui émerge, qui affleure, mais il n'ose pas trop tirer dessus. Et la petite fille arrive derrière et voilà, elle s'en empare et c'est une fleur. C'est pas grand-chose, mais c'est une fleur. Ça fait penser à la fleur de Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, c'était l'ancienne secrétaire de Louis Jouvet. Donc, elle a été 2 ans et demi en camp, à Auschwitz. Et il me semble qu'elle a été aussi à Ravensbrück. Et elle raconte, en allant assécher les marais d'Auschwitz, une fois, la neige est là partout, mais c'est aussi le dégel, c'est le printemps qui revient sur Auschwitz. Et elle voit une petite fleur qui pointe son nez dans la neige. Et c'est terrible, parce que cette petite fleur, c'est la beauté, en fait. C'est l'humain,
c'est la vie dans ce qu'elle devrait être et qui n'est tellement plus là, là où elle est. Et donc c'est à la fois une rencontre merveilleuse qui la ramène à elle en tant qu'être humain et individu, avec toute son émotion déclenchée, et puis en même temps une grande violence, cette petite fleur qui est dans ce monde de cendres et de froid. Alors, dans la dernière salle, voilà, on entrait dans l'espace du conte retrouvé, des histoires retrouvées. Donc, il y avait une cage à histoire dans laquelle j'avais... c'était une volière dans laquelle j'avais installé des personnages, des contes pour enfants. Il y avait la chèvre et les biquets. Tout était en céramique, émaillé. Et puis, deux enfants qui racontaient des histoires. Et de ces histoires sortent les personnages des histoires elles-mêmes. C'est un petit peu ce que je dis quand, pour les gamins. Par exemple, un doudou, c'est une petite bestiole vivante qui est là pour les protéger, qui est là pour, en cas de coup dur. Et c'est pour de vrai. Un doudou, c'est un vrai petit personnage. Et là, c'est, pour la lecture, c'est pareil. Un gamin à qui on raconte une histoire, il y croit pour de vrai. Et donc, les petites bestioles s'incarnent et c'est redire l'importance de toutes ces histoires. Je repense aux gamins dans la tourmente, les enfants cachés entre autres, qui souvent n'ont plus été à l'école et qui n'avaient plus ni père ni mère pour prendre le temps de leur raconter les histoires la nuit. Donc c'était une salle pour restaurer quelque chose. Et j'y avais également installé c'est la réplique du chien bleu qu'on voit dans l'entrée, mais la version petite, c'est un chiot en fait. Et ce petit animal, il a eu un effet assez étonnant pendant l'installation, puisqu'il fait écho à un personnage de conte qui s'appelle Chien Bleu, je vous ai déjà raconté, pour certains connaissent. Donc c'est un bouquin qui est quasiment dans toutes les classes de grande section, de gamins de 5 ans, 5-6 ans. Et c'est l'histoire d'un chien qui sort d'on ne sait où et qui va se lier d'amitié avec une petite fille qui s'appelle Charlotte. Et un soir, donc les parents de Charlotte sont inquiets de la présence de ce chien, ils ne savent pas d'où il vient, donc ils lui demandent de partir. Le chien disparaît, les parents, quelques temps plus tard, partent en forêt faire un pique-nique. Et donc la petite fille veut aller chercher les petites fraises des bois, et bien sûr, elle se perd dans la forêt. Et donc dans la nuit, elle trébuche, elle a très peur, et donc elle appelle au secours, et le chien bleu surgit. Et donc il va l'emmener dans une grotte, lui faire un bon feu, et elle s'endort. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que la nuit rôde dans cette forêt un esprit maléfique incarné par une panthère qui ne demande qu'une chose, c'est de croquer tout ce qui peut se présenter, gamin y compris. Et donc toute la nuit, le chien bleu va lutter corps et âme, crocs tout déployés et griffes pareilles, pour sauver la vie de l'enfant. Et donc le chien s'épuise, on sent que ses forces déclinent, et heureusement le soleil se lève. Et avec le soleil qui se lève, donc la panthère disparaît, l'esprit de la nuit disparaît. Et le chien, complètement épuisé, va rassembler ses forces pour ramener l'enfant à ses parents. Et donc les gamins, parce que j'essaie de faire un travail ouvert à toutes les générations. Et donc là, c'est vraiment utiliser un langage que les enfants, que les petits connaissent. Ça fait référence à quelque chose qu'ils connaissent bien. Et donc, pas manquer un enfant notamment, entre autres, qui est arrivé en disant « Il y a chien bleu, le chien bleu !» Je dis « Bah oui, il y a chien bleu Et puis il dit « Elle est où Charlotte ?» Je dis « Bah, cherche-la, et puis peut-être quand tu l'auras trouvée, tu viens me chercher. » Donc il trouve une petite fille, donc voilà, une petite fille qui pourrait être Charlotte. Et puis il se met à me raconter l'histoire devant les deux pièces de chien bleu. Et donc, il y avait des adultes autour qui ne connaissaient pas cette histoire, donc qui entendaient l'enfant, qui étaient tout contents d'avoir un auditoire à ce moment-là. Et puis alors je lui dis mais qu'est-ce qu'il fait là, chien bleu? Et donc je lui explique au fil de la conversation que lui il va au cinéma, il fête son anniversaire avec ses copains, mais qu'il y a un petit peu longtemps, du temps de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, ça dépend de l'âge des enfants, il y a certains enfants qui ne pouvaient plus faire ça parce que il y avait des adultes pas bienveillants qui les ont obligés à se cacher et voilà qui leur voulaient du mal. Et donc j'introduis la figure du juste masculin, puisque Chien Bleu était censé incarner la figure du juste masculin à travers Chien Bleu. Donc moi je suis un peu comme un petit pousset, je sème des petits cailloux, en restera ce qu'il en restera, mais en tout cas l'enfant a entendu quelque chose ou pas,
En tout cas, s'il a entendu, j'ai espoir que ça puisse ressurgir à un moment donné de sa vie. Peut-être quand il aura 15 ans, 16 ans, peut-être quand il sera confronté à une situation qui fera remonter le souvenir de cette rencontre avec Chien Bleu et Charlotte. Donc on est vraiment dans le champ du symbolique. Ça, c'est vraiment... c'est finalement réussir à signifier des choses par le champ artistique, par le champ plastique, qui est le champ de la représentation, pas illustrer directement les choses. Moi, je ne suis pas du tout historienne. Donc, voilà. Donc je pense que juste donc ça, le corbeau et le renard, les enfants qui rejouent à des jeux d'enfants, à se redire les fables de La Fontaine, à se faire les marionnettes. Celui-là, il a pêché un livre, il est tout étonné. Des fois, il y a des toutes petites œuvres qui sont un peu comme des coups de poing. Et une petite dernière qui crie dans le bois, qui appelle. Voilà. C'était l'installation à Nantes, au site des Renaudières. Alors, je voulais, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une installation que j'avais faite dans une galerie où il y avait la série des encres au mur. Voilà, ça c'est un petit aperçu de ce qui avait été mis en place avec les cadres précieux. Et j'avais tellement le souhait d'entrer en lien avec les regardeurs que j'avais fait sortir les personnages ancrés en 2D sur les murs. Je les avais fait sortir des murs pour les incarner. C'est-à-dire que j'en avais fait des sculptures et, qui étaient prises dans un cadre immense en ferraille que j'avais soudé. Et donc, du coup, on pouvait tourner autour et c'était vraiment un portrait de famille. Les personnages étaient tous en noir et blanc avec des visages de grès rosé. Et du coup, la 3D, c'est notre matière. Et c'était une façon de rendre incontournable la rencontre. Je ne sais pas si ça a marché, mais c'était le souhait. Alors, tout à l'heure, donc, je vous ai dit que j'allais revenir sur pourquoi la période 39-45. Plusieurs choses. Alors, pour moi, 39-45, c'est un espace hors champ de l'humain, mais produit par de l'humain, qui est un espace de révélation. Ça nous dit ce que nous sommes fondamentalement capables de faire, c'est-à-dire d'être possiblement merveilleux ou possiblement affreux, dégueulasse. Et possiblement affreux, bon, ça, on sait tout ce, voilà, tout ce qui s'est produit. Et possiblement merveilleux, les histoires d'amitié et d'amour qui se sont développées et nouées dans le camp, à l'endroit du camp, l'ont été à l'aune d'une mort omniprésente. Ce sont des expériences de l'ultime. Et du coup, elles sont révélatrices de ce que peut être finalement l'essence de l'amitié ou l'essence de l'amour. Par exemple, Charlotte Delbault raconte qu'elle parle de sororité, c'est-à-dire que les compagnes, ses compagnes de bloc, avec qui elle faisait l'appel à 4 h du matin par moins 30 dans la neige, pieds nus, eh bien, ces femmes, entre elles se sont protégées contre le froid, elles se sont protégées de la haine des capots ou des médecins allemands qui faisaient les sélections, en se cachant, en se blottissant. Quand il y en avait une qui commençait à faiblir devant, l'autre de derrière la remplaçait, venait prendre... voilà. Et, du coup, tout ce qui est vécu dans le camp, il est vécu à l'aune de cette mort omniprésente qui rend les choses exceptionnelles. Quand je suis venue en janvier avec France Laredo, on est allé au CHRD, donc dans les réserves. Et on a eu la chance incroyable de découvrir, grâce à l'historien qui nous a fait la visite, des objets extraordinaires, donc contenus dans les réserves, dans les caves. Et notamment, deux petits cœurs, il nous a sorti deux petits cœurs de toute beauté qui ont été brodés dans l'enceinte, je ne sais plus si c'est à Auschwitz ou Ravensbrück, je ne pense pas qu'il l'ait spécifié, mais peu importe. Deux petits cœurs que la personne qui les avait ramenés du camp donc avait reçu d'une compagne, probablement pour son anniversaire ou pour Noël. Il y a eu énormément d'œuvres d'art qui ont été réalisées dans les camps. Marie Rameau, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une photographe de Paris
qui a édité récemment un ouvrage sur les objets confectionnés dans les camps, beaucoup par les femmes, des objets qui sont réellement artistiques, hein, qui sont d'une qualité plastique vraiment très grande, notamment des sacs à main réalisés avec du caoutchouc de Mascagaz. Mais c'est vraiment d'un grand, grand raffinement. Il faut savoir que ces sacs ont été réalisés dans une menace de mort permanente. Hein. Si les femmes étaient prises à shipper, enfin à détourner, même, c'était des rebuts, hein. C'était absolument pas du matériau destiné à élaborer les masques à gaz, c'était dans l'après-coup, c'est des chutes récupérées. Donc elles risquaient leur vie à détourner les matériaux et à réaliser ensuite les œuvres. Il y en a eu une quantité assez impressionnante. Donc pour moi, le camp, ça dit vraiment aussi ce que c'est que l'art, ce que ça peut être que l'art. Charlotte Delbault, elle raconte que pour ne pas devenir folle, en asséchant les marais d'Auschwitz avec la poudre d'os de ses compagnes qui avaient été brûlées dans le crématoire au-dessus de son bloc, elle se récite de façon obsessionnelle des vers d'une comédie de Molière. Je crois que c'est le bourgeois gentilhomme, et qu'elle va donner pour le soir de Noël avec ses compagnes, en fabriquant des costumes, des décors. Donc on cachette de la blokova qui gardait l'espace de couchage, et donc au péril de leur vie. Donc tout ça, l'art à cet endroit-là, c'est une respiration, c'est un squelette, c'est une armature pour ne pas devenir fou, pour ne pas mourir. Et ça redit... La dignité aussi, ça redit qu'est-ce qu'on a été avant, qu'est-ce qui nous tenait en vie avant. Et ça a pu permettre de supporter le présent. Et c'est Primo Levi qui dit que dans le camp, il essaie de se remémorer les vers du chant d'Ulysse. Et il lui dit que quand il se remémore ce chant sublime de Dante, l'espace d'un instant, ce chant lui fait oublier où il est. Et il dit aussi, quant à moi, la culture m'a servi et m'a peut-être sauvé. Hein, il parle dans Les naufragés, les rescapés. Ça fait vraiment penser aussi à, finalement, à la démarche de Frida Kahlo, qui n'a pas été en camp, mais qui a été, elle, complètement empruntée par son accident. Et l'art, pour elle, a été une respiration, un squelette, puisque son squelette était totalement brisé. Ça a été une façon de se maintenir en vie et de supporter et la souffrance physique et la souffrance psychique, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, voilà, donc c'est des expériences de l'ultime qui disent fondamentalement ce sur quoi on peut s'appuyer pour rester debout en vie. C'est pas juste rester en vie, c'est rester en vie debout. Et dans le camp, c'était ça aussi. C'était pas, pour certains, pour beaucoup, c'était pas juste rester en vie. Parfois, ça l'était, mais c'était pas suffisant. À un moment donné, c'était en vie dignement, c'est-à-dire en tant qu'être humain, ne pas lâcher cette chose-là. Alors, pourquoi le camp? Pourquoi aller travailler à l'endroit du camp, puisque c'est vraiment mon territoire de source, c'est que le camp, je pense qu'on l'a reçu en héritage, qu'on le veuille ou non. C'est un legs très très sombre et qui agit comme une bombe nucléaire en fait. Et là, je vais vous citer des propos que je trouve très très forts d'un psychologue israélien qui s'appelle Nathan Kellerman. Il dit « Le camp est semblable à une bombe nucléaire qui disperse ses retombées radioactives en des lieux éloignés, même après l'explosion. » Tout trauma psychique continue à contaminer ceux qui y ont été exposés, d'une manière ou d'une autre, à la première, seconde et ultérieure génération. Tout comme les ravages de la radioactivité, le trauma émotionnel ne peut ni être vu ni détecté. Il demeure caché dans les noirs abysses de l'inconscient, avec son influence hasardeuse et toxique, menaçant la santé des êtres humains pour des siècles. Je pense que toute notre culture, notre civilisation après-guerre a été vraiment empruntée par le camp et par Hiroshima. J'ai lu récemment, et confirmé par un ancien de Dizieux, Samuel Pintel, que le Club Méditerranée a été fondé dans l'après-guerre par un homme qui s'appelle Gérard Blitz, donc qui est un juif belge, et qui est entré en résistance pendant la guerre et qui a eu l'idée de fonder le Club Méditerranée dans l'après-guerre comme contre-camp.
C'est-à-dire qu'à partir de là, nos loisirs se sont forgés en réponse à ce qui avait été vécu de tellement ultimement sombre dans cette période-là. Et contre quand, par exemple, les gentils organisateurs, c'était des contre-réponses au capot, torsionnaires. Dans le camp d'Auschwitz, tout était interdit. Au Club Med, tout était autorisé. Donc c'était vraiment, point par point, une réponse comme ça en miroir. Il y a un autre artiste assez génial qui s'appelle François Rouen, qui, lors d'une visite à Auschwitz, a fait un rapprochement vraiment saisissant entre les installations des artistes contemporains et les installations muséales d'Auschwitz. Par exemple, Boltanski, il a l'habitude de faire des tas d'accumulations, notamment de vêtements, de valises, et qui sont vraiment, je pense, à rapprocher, et c'est lui qui fait d'abord ce rapprochement, des installations, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais en tout cas des accumulations de cheveux, de prothèses, de valises, etc., qui font référence au Canada, donc dans l'espace d'Auschwitz. Il y a également l'artiste Reynaud, qui souvent présente des œuvres d'art, par exemple une laitue, enfin ce n'est pas une œuvre d'art, mais ça le devient dans l'espace du musée, on va dire ça comme ça, une laitue présentée sur un autel, en céramique, enfin en faïence blanche, et dans le fond de cette pièce-là, à la place de la laitue, ça peut être un extincteur ou autre chose, d'ailleurs un pot de fleurs, il y a également une pièce en, comme ça, en faïence blanche. Et quand il est arrivé dans l'espace clinique des expériences du docteur Mengele, couvert aussi de faïence blanche, pour lui ça a été saisissant le rapprochement entre les installations de Reynaud et cet espace terrible, clinique, voilà, d'expérience médicale du camp. Donc, je pense qu'on le veuille ou non, on est emprunté. C'est Georges Bataille qui dit que après Auschwitz, l'image de l'homme est inséparable d'une chambre à gaz. Sachant cela, le vivant également, comment faire pour essayer de vivre quand même? Parce que il faut bien continuer à respirer et donc, je me dis que la solution, c'est d'extraire une lumière de tout ça. Et je pense que cette lumière, on en discutait tout à l'heure, elle peut émerger du savoir que les déportés ont rapporté du camp et que moi, j'essaie de collecter finalement. Ce savoir n'est pas une connaissance. Ce n'est pas un enseignement dispensable dans une salle de cours. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir apprendre dans une classe ou dans un livre de géo ou d'histoire ou de je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose d'intime qu'on va recevoir intimement et qui va nous emprunter pour toujours et qui va bouleverser notre rapport au monde et qui va peut-être nous aider à trouver un sens à notre présence ici, en fait. Et je pense qu'ayant accès à ce savoir ou acceptant de le recevoir, on peut réussir à percevoir combien l'existant présent peut être bien. C'est une déportée que Marie Rameau, la photographe dont je parlais tout à l'heure, a rencontrée, qui avait réalisé un petit carnet pour une de ses compagnes dans le camp. Et sur ce carnet, elle lui a inscrit « La vie est belle, belle toujours ». On est à Ravensbrück, c'est incroyable qu'une femme comme ça réussisse, accablée par tout ce qu'elle vit, à écrire encore ça. Et je pense que voilà, cette chose-là, elle vaut pour nous aujourd'hui. On n'est absolument pas dans un espace aussi catastrophique et innommable, mais ça vaut aussi pour maintenant. Et je pense que ça donne la mesure de ce qu'on a à vivre ici et tout de suite.